Oh, désolée, jeune fille, mais je suis au régime. Goûtez-en au moins. Ils sont délicieux cette année. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, d'accord, je me laisse tenter. Oh, je vous achète toutes vos boîtes. Déjà vu, déjà acheté, déjà rendu. Oh. Je crois que cette fois on a fait très fort. On a vu tout ce qu'il y avait à voir dans le centre. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Moi non plus, j'aurais jamais imaginé que c'était possible de faire le tour de toutes les boutiques. Non, regarde, dans la vitrine, c'est le chapeau que j'ai vu en couverture du magazine Jeune et Sensible. Ils l'ont enfin reçu. Ce médium me semble un peu juste. Vous devriez essayer un large. Ah, un large? Vous m'avez bien regardé. Elle a raison et c'est un large, Clover. Vas-y, ça coûte rien. Tu vois, c'est la bonne taille. Parfait. Ouais, c'est le portrait craché de la fille qui pose en couverture de Jeune et Sensible. Ouais, sauf que la fille du magazine ne se balade pas avec une énorme tête d'éléphant, elle. Je prends le médium. Où est la vendeuse? Je vais prendre le médium. Oh, je suis vraiment désolée, mais je viens de le vendre à cette demoiselle. Et malheureusement, c'était le dernier. Quelle chance, c'est exactement ma taille, une vraie gravure de mode. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Si Mandy peut porter un médium, moi aussi d'abord. Dis-moi, Clover, tu ne crois pas que cette histoire de chapeau est en train de te monter à la tête? C'est vrai ça, pourquoi tu prends pas le large, c'est celui qui te va le mieux? Jamais de la vie, il n'en est pas question, je vais commander le médium et voilà, un point c'est tout. Allez, arrête de bouder, Clover. Ils auront reçu ton chapeau d'ici à peine quelques jours. Le problème, c'est que dans quelques jours, il sera complètement démodé. Hé, regardez, ils ont installé une nouvelle cabine de photo. Ça vous dirait qu'on l'essaie? Oh ouais, c'est une bonne idée, condition que j'arrive à y passer ma grosse tête. C'est bon, vous êtes prêtes? Tout le monde dit, on aime les soldes. On aime les soldes. Sûrement sa grosse tête qui est restée coincée. J'ai entendu. Ce n'est pas le moment de s'amuser. L'heure est grave et nous devons agir vite, les filles. Comme vous pouvez le constater, les coquilles de la joyeuse compagnie transforment ceux qui les mangent en fous furieux. Les gens perdent la tête et sont prêts à tout pour une boîte de ces biscuits. Qu'est-ce que vous attendez de nous, au juste? Jusqu'à présent, ces coquilles sont distribuées exclusivement sur notre continent. Votre mission consiste à infiltrer la joyeuse compagnie et à tirer cette affaire au clair avant que la folie des cookies ne gagne la planète. Cette semaine, vous disposerez des gadgets suivants. Vaporisateur de parfum paralysant, bracelet de type fantasy multifonction, appareil photo holographique, broche clippée à tête chercheuse et en prime 3 tubes d'échantillons gratuits. Je les ai trouvés dans ma boîte à lettres. Ah, j'adore les échantillons gratuits. Crème polaire hydratante. Avec effet protecteur anti-gerçure. Merci Thierry. De rien, la protection, c'est mon métier. Ne remuez pas trop, les filles. La turbocabine d'essayage du Whoop est encore en phase expérimentale. C'est bizarre, mais j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Plus tôt on aura terminé, et plus vite on pourra retirer ces uniformes grotesques. Coucou, on vient chercher notre lot de cookies. Vous n'êtes pas un peu trop vieille pour faire partie de la joyeuse compagnie? Ah bah, c'est-à-dire qu'on fait très grande pour notre âge. On est heureuse, active, pleine de vie. Vive la joyeuse compagnie! Bravo, c'est très joli.
Qui est votre chef de groupe? Notre chef de... C'est Jerry, je sais plus trop quoi. Oui, enfin Jerry, Lynn, Géraldine, quoi. C'est Géraldine, je sais plus trop quoi. Voilà. Bon, c'est sûrement un nouveau groupe. Oui, c'est ça, tout neuf. Voici votre liste de livraisons. Allez vous approvisionner dans le camion. Oui, madame. Délice parfum menthe chocolat, un véritable régal pour les palais délicats. Oh, j'ai horreur de la menthe. Moi aussi, je suis pas une super fan de ce parfum. Je trouve que ça a un goût de dentifrice. Ben, je me dévoue. Oh, me regardez pas comme ça. C'est uniquement pour les besoins de l'enquête. Wow, c'est vraiment un régal pour les palais délicats et je sais de quoi je parle. C'est si mentholé, si chocolaté. Bon, ça suffit. Assez enquêté pour aujourd'hui, Sherlock. Je ferais bien de photographier la pièce à conviction. Et moi d'en envoyer une à Jerry avant que Clover se mette à tout manger. Ça m'apprendra à vouloir être pro, tiens. Allez, les Spikes, au travail. Oh, mais c'est la joyeuse compagnie, enfin, vous voilà. Vous êtes Shirley? Shirley Rogers? Oui, jeune fille, c'est moi. Oh, quelle joie de vous voir. Je vous ai attendu impatiemment toute la matinée. J'ai quitté mon travail pour ne manquer aucune de vos livraisons. Je ne peux plus me passer les cookies de la joyeuse compagnie. Voyez-vous-même. Oh, bien sûr, j'ai pris quelques kilos cette semaine, mais je ne le regrette pas, ça en valait la peine. J'ai même écrit au docteur Aigredoux pour la remercier. Le docteur Aigredoux, vous dites? Oui, le docteur Inga Aigredoux. C'est le génie qui a mis au point la recette des cookies délices. Elle est formidable. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme dans la rue? Désolée, madame, il faut qu'on file. J'ai perdu ma boîte de cookies. Tenez, cadeau. Et maintenant, on fait quoi? On lâche ce chariot et on court. Une autre pour la route. À la quatrième dimension? Pire, ces excités étaient complètement au-delà du réel. Est-ce que t'as vu leur tête? De vrais sauvages, ils ont mangé tout mon stock. D'ailleurs, en parlant de ça, tu devrais peut-être éviter de te goinfrer comme tu le fais, Clover. Au moins jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a dans ces cookies. Oh, je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein. Un petit goût de paradis à chaque bouchée, c'est de la folie. C'est nous, Jerry. Vous pouvez lancer une recherche rapide sur un certain docteur Inga Aigredoux. Eh bien, il semblerait qu'elle dirige la production de la marque Cookie Delice depuis son usine implantée en Suisse. On va avoir besoin du jet. Vous avez analysé l'échantillon qu'on vous a envoyé? Pas encore, non, mais je dois reconnaître que ces biscuits sont tout à fait savoureux. Hein. Je vais m'occuper de cette affaire personnellement. Envoyez-moi autant de cookies que vous le pourrez aussi vite que possible. Ah, j'oubliais. C'est un ordre. Génial. Maintenant, Jerry aussi est accro. Oui, bonjour. J'ai commandé un chapeau en taille médium. Oui, c'est ça. Quoi? Mais vous aviez dit... Tant pis, merci. Ils ont pas reçu ton chapeau? Non. Tu vois, je te l'avais dit, t'aurais mieux fait de prendre le large. Ouais, et encore, si tu continues à te gaver de cookies délices, c'est du XXL qui va bientôt te falloir. Bon, ça va, n'exagère pas, je n'en suis qu'à ma deuxième boîte. Ouais, depuis qu'on est monté dans l'avion. Eh, ça suffit les critiques. Bouclez vos ceintures, atterrissage imminent. J'espère que c'est chauffé à l'intérieur. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir des glaçons à la place des doigts. Au fait, comment est-ce qu'on va entrer dans l'usine? Pour une fois, j'ai l'impression que ça va pas être un problème. On y est! Après refroidissement et afin de conserver leur saveur unique, les cookies de la joyeuse compagnie sont soigneusement emballés.
peut-être, mais en attendant, moi ça m'emballe pas du tout. Oh, arrête de te plaindre, moi je la trouve géniale cette visite. Bon, et la dégustation gratuite, c'est pour quand? On est dans une biscuiterie, il y a forcément une distribution. Amateurs de cookies, la visite continue. Prochain arrêt, le service expédition. À ton avis, elles vont où comme ça? J'en sais rien, mais on va pas tarder à le découvrir. Hé, hey, attendez-moi, je suis coincée. Pas de panique, j'ai ma crème hydratante. Wow, c'est pas gagné. Il faudrait qu'on double de volume pour avoir une chance de les envoyer bouler. C'est verrouillé. Attends, laisse faire la pro. Non. C'est pas celui-là. Ouais, bonne pioche, le mini bâton de dynamite. Et voilà le travail. Ça alors, c'est la première fois que je vois des ouvriers payés en cookies. C'est ce qui s'appelle gagner sa croûte. Je suis d'accord, c'est bizarre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Clover? Clover? Il faut la retrouver! Je veux des cookies! Je veux des cookies! Je veux des cookies! L'ingrédient secret qui te fait manger des cookies délices. Il faut pas y toucher. Oh, peut-être que si je mangeais des cookies tout le temps, je sentirais pas le froid de canard qui fait dans cette pièce. Ouais, Angèle, dépêchons-nous de prélever un échantillon avant d'être changé en esquimau. Sam, regarde ça. Les plans d'expédition des Gredoux. Alors Jerry avait raison, cette folle a effectivement des ambitions internationales. Nous devons absolument l'arrêter. Inutile d'essayer, vous n'avez aucune chance. Toll, venez par ici, nous avons des espionnes. Des espionnes, hein? Ah, je m'en doutais, elles étaient trop vieilles pour faire partie de la compagnie. Jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon accessoire. Clover? Non, Bouboulin, regardez, je vous avais bien dit qu'il y avait une dégustation gratuite. Goûtez-en, hein. Mais non, il faut qu'on sorte d'ici. Pas si vite, mesdemoiselles, on va faire connaissance. Soyez les bienvenus. Je vous en prie, prenez un siège. Attendez, il y a erreur sur la personne. Vous êtes sur le point de commettre une grosse boulette. On est des recrues de la joyeuse compagnie et on vient suivre une formation produit. On verra bien si vous êtes toujours aussi joyeuse après être passée entre les mains du docteur. Jeune fille, permettez-moi de vous présenter la gaveuse. Il s'agit d'une invention de mon truqui, comme son nom l'indique, vous gavera comme des oies jusqu'à ce que vous explosiez. À présent, préparez-vous à subir le supplice du cookie. Miam! Oui, oui, pas miam, miam. J'ai dit le supplice du cookie. Désolé. Moi aussi, dans le temps, j'étais partie de la joyeuse compagnie et... Il se trouve que j'aimais beaucoup les cookies. Un peu trop, malheureusement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que j'ai grignoté tous les cookies que je devais vendre, si bien qu'ils m'ont renvoyé comme une malpropre. Ils ont gâché ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai à mon tour décidé de gâcher celle des autres. J'ai passé ces 20 dernières années à préparer ma vengeance. Résultat, la gaveuse. Oh, ah. Cette machine n'est qu'un accessoire secondaire, un petit gadget que j'ai créé pour m'amuser. Ma véritable vengeance, ce sont les cookies. Et bientôt, le monde entier sera totalement dépendant de mes irrésistibles biscuits. Docteur Aigredoux, il est temps de partir pour l'entrepôt. J'arrive. Je vous laisse apprécier votre dégustation, mesdemoiselles. Profitez-en, c'est la dernière. Bah, j'ai horreur de la menthe. Il doit bien y avoir un moyen d'échapper au gavage. Faudra remercier Jerry pour ses échantillons. Oh. Encore une minute, c'est presque mon tour. Clover, ça suffit les cookies. C'est vrai, ça trouve plutôt un moyen d'arrêter Aigredoux avant qu'elle mette son plan à exécution. Et à ton avis, pourquoi j'ai planté mon épingle à cette chercheuse dans sa blouse? Hein? Oh. Et en route pour les plages ensoleillées de... l'Islande? Oh, bah dis donc, la vieille folle aime bien les coins où il fait super froid. Je suis complètement gelée, moi. Moi aussi, si seulement j'avais mon chapeau en taille médium. Le signal provient de cet entrepôt. Aigredoux est à l'intérieur. Allons lui rendre une petite visite. C'est du gâteau. Bien reçu. Les camions sont en route, docteur. Oh, j'ai hâte que tout soit réglé. Après ce chargement, mon triomphe sera total. Non, mais vous l'avez entendu, elle doute de rien, celle-là. Comme la plupart des savants fous. Je me demande quand même d'où ça lui vient, cette passion pour les températures polaires. Oh, bah moi, je parie que c'est à cause des cookies. Oh, regarde, la chaleur les fait fondre. Oh non, c'est dommage, ils sont tous gâchés. Dites, l'espace, qu'est-ce que vous diriez de réchauffer un peu l'ambiance? Couvrez-moi. Encore ces espionnes! Toll, débarrassez-moi de ces filles! Je ne sais pas quel mauvais coup tu mijotes encore, mais cette fois, c'est toi qui es cuite, ma grande! Laisse tomber, tu fais pas le poids! Mais je vous conseille de reculer ou vous allez connaître la fureur du dragon! Quelques degrés de plus. Comment ça me tape sur le système, la sumo? Merci. Ces brutes ont bien failli me réduire en compote, me platir comme une crêpe ou me transformer en descente de lit. Dépêche-toi, ça m'a besoin d'un coup de main. On fait l'assiette pendant les heures de travail? C'est ta patronne qui va pas être contente. Allez, réchauffe-toi. Non, pas mes cookies. Ça va? Rien de cassé? Rendez-vous, Aigredoux! Vos cookies ramollis valent plus rien du tout! Vas-y, Clover, rattrape-la! Ouvrez la bouche, docteur! C'est l'heure de votre médicament! Je veux des cookies! Je veux des cookies! Elle aurait pu devenir un grand nom du cookie si elle n'avait pas mis autant d'amertume dans sa recette. Vous l'avez dit, Jerry. À propos, est-ce que vous avez découvert sa formule secrète? Oui, en effet, il s'agit d'un concentré sucré hypercalorique qui crée une dépendance totale et immédiate chez le consommateur. Et est-ce que les scientifiques du Whoop ont trouvé un antidote? Ils y travaillent. Normalement, l'antidote devrait annuler la dépendance et brûler la masse de graisse. Comment ça, normalement?
Alors, c'est quoi la suite du programme? On pourrait aller faire un tour à la cafétéria. J'ai entendu dire qu'il y avait une dégustation gratuite de cookies. C'est ça, allez-y, moquez-vous de moi, rigolez. En attendant, je suis bien contente d'avoir retrouvé ma taille de guêpe. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vérifier. Ils ont reçu le chapeau taille médium? Non, finalement, je vais prendre le large. Le large? Mais enfin, Clover, tu disais que tu porterais jamais rien de large de toute ta vie. Oui, mais tout bien réfléchi, à côté de la taille que je faisais il y a quelques jours, je me dis qu'un chapeau large n'a rien de dramatique. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Mais alors la rumeur se confirme. Il y aurait bien un cerveau quelque part dans cette grosse tête. Très amusant.